Salut Station Fréquence, les mots sur presse, quant à vous tous, de la part de Dindy 33. Et c'est parti pour le QSO National du canal 27. Donc on est samedi 25 février 2017. N'importe quoi, et un faux départ. Salut Station Fréquence, les mains sur 13, c'est côté à vous tous de la part de Dindy 33. Donc on est le samedi 25 février 2017 et c'est parti pour le QSO National du canal 27. Les 73, Michel, alors comment vas-tu? Ah, je vais téléphoner en faisant une plaisanterie. Pour aller, ça va, c'est pour revenir. Ah, ben si t'as réussi à revenir à la station, c'est que tout va bien. Oui, oui, et avec le beau temps, on va laisser un petit là, parce que je pense que quand même ce soir, c'est samedi, il y aura un peu plus de monde que hier soir. Bon, maintenant, ça démarre juste, hein, c'est tout. Il y a quoi? Il y a 2 minutes, là, c'est tout. Hein. Ok, attention les stations fréquences pour le QSO National du canal 27 en avant. Ok, bon Michel, tiens, je me suis amusé à aller voir un petit peu les messages là aujourd'hui. Eh bien, tu vois, c'est du tout bon pour ce qu'on a fait hier soir. Donc là, faut qu'on continue là, faut qu'on continue comme ça, quoi. Oui Eric, les 73, Michel, hier, rappelle-toi, pour avoir laissé des blancs, on a laissé des blancs. Après, si on laisse des blancs trop grands, ils vont virer au rouge, hachi. Les 73, Eric. 73-51, ici 14, Victor Hugo 27. 14 au Dergeau 27, c'est signal opérateur Eric, voilà. 73 Rémi, 73 Michel, tour de contrôle. Et j'ai entendu un grand coup de sifflet derrière, donc je vais laisser un petit blanc, on va y en avant. Voilà, ça me fait Florian, les Kiliques, les Javitiers, j'espère que tu vas bien. Ok, mais retour sur le nid. Ok, 73-14 Oscar Alpha 205. Voilà, hélas, je t'entends pas mieux ce soir, je te devine derrière, mais c'est tout sans plus. Enfin bon, là tu verras là sur la vidéo, c'est vraiment du déchiffrage, du débroussaillage qu'il faut faire pour arriver à te sortir. Hachi. Ouais, t'as reçu, par contre, faut que tu te recales un petit peu, c'est pour ça qu'il t'entend peut-être pas aussi. Ouais, c'est un petit tour en fréquence, les chimiques. Thank you.
écouter. Voilà, impeccable, touche au pluriel, voilà, ok, pas de souci. Allez, retour Michel. Ok, et eh bien justement, puisque tu parles de faire tourner, est-ce que nos amis qui participent au QSO via internet sont présents? Putain, je commence à bafouiller déjà moi dès le début du QSO. Oui, mais justement, hier soir, là, on a fait quelque chose de vraiment sympa. Dommage que de mon côté, j'avais pas mal de QRM, mais c'était après la vidéo. Et justement, on avait dit que ce qui serait pas mal, c'est justement de montrer, même si c'est du bricolé, même si c'est via haut-parleur avec micro de plaqué devant, peu importe, on crée quand même une interaction CB, Internet CB, qui est assez intéressante du fait que la propague n'est pas là. Voilà, et c'est pour ça le truc qui serait pas mal qu'on fasse, c'est justement là dans cette première demi-heure, enfin 20 minutes qui reste maintenant, c'est de leur passer le micro, quoi. Voilà, quoi. C'est ça qui serait sympa de faire, ce qui pourrait déclencher par la même occasion un peu le même système sur d'autres régions, et du coup donner encore plus envie aux gens aux OM de revenir après. En fréquence, quoi, sur les vraies ondes, quoi, Hachi. Le département 47 à l'écoute. Enregistré, 47, oui, Michel. Oui, le bonsoir au département 47. Alors, si vous le permettez, on va faire un petit essai. L'ami Fredo du département 17, si tu veux saluer nos amis, du 47 ainsi que du département 33. Ok, il y a eu un peu de l'harcèle, donc il y a soit c'est le je sais pas, le haut-parleur qui était trop fort, ou trop fort, le micro trop loin, ou alors je sais pas, il y a eu un peu de l'harcèle qui est passé, hein.
surtout sur, sur Fredo. Les 73 Fredo, de la part de Dandy 33 et 88 Roseline. Retour de micro sur, sur Eric. Et il y a Belfegor qui est aussi derrière et qui j'envoie les bonnes 73. Retour Eric. Ok, merci pour le retour de micro. J'en profite pour envoyer les 88 à Roseline. Fredo 6351, les bonnes amitiés aussi. Je salue tous les amis qui sont sur le réseau aussi, voilà. Donc Michel et puis tous les autres, voilà. Voilà, je retourne le micro sur Lucky Luke, à toi. Alors là, j'ai rien reçu de mon côté, mais rien, 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 là, du côté de Lucky Luke. Belfegor, les bonnes 13-51 à toi, en avant. Ok, retour Michel. Ah, moi, pour le recevoir, je le reçois, il me reçoit petit, et après il arrive à je passe à traduire. Bon, alors tout à l'heure, revenons au soir de technique, c'est de ma faute, j'ai pris une erreur, j'ai pensé qu'on ne les entendrait pas, et j'ai avancé un peu trop près sur le micro, et que nous jouons à faire des essais pour le moment. Et j'ai avancé le micro trop près des haut-parleurs, et alors, notre ami Fredo, du 17 Kainowak, qui passe à travers les cloisons, mais parmi, ça a déformé un peu. Non, mais je vais laisser le micro doré là-bas, à la distance, oui, et puis on verra ce que ça donne. Mais alors là, pour le moment, moi, j'entends tout le monde. Par contre, on va sauter du coq à l'âne. Quand vous dites qu'il n'y a pas de propagation, comment expliquez-vous que cet après-midi, je me suis quand même amusé un petit peu avec la Martinique, avec la Réunion, avec le département 64. C'était la première fois que j'avais quelque chose de 64 depuis le temps que je fais de la radio. Bon, de 65, là, il n'y a pas de problème. Il y avait le département 13. Bon, et puis mes amis toulousains, et puis bon, parle pas des amis qui sont sur les... comment dirais-je, sur les âmes des compagnies du Bordeaux et des environs. Mais par contre, il y a eu un peu de propagation tantôt. Allez, retour à toi, Eric. Ok, pas de souci. Écoute, j'en profite pour saluer Belfegor. Alors, je t'ai entendu, Belfegor 73, Eric sur Villaverdon. Je t'ai entendu, mais alors c'est vraiment petit, j'ai du mal à déchiffrer, mais je t'ai entendu parler, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, ça vient petit à petit, voilà, je ne sais pas si tu es en directive ou en verticale. Moi, je suis toujours en verticale pour le moment. Je vais essayer de me tourner après en directive, mais de ton côté. Alors, est-ce que tu es du côté de ceux de Coquimont et tout ça, c'est ça? Retour Belfegor, est-ce que tu as entendu Eric? Belfegor, si tu entends le papy Michel, Eric se demandait si tu étais dans le secteur de Coquimont sur le 47. Non, j'ai bien reçu, ça passe bien, mais là je suis en verticale. Je suis en verticale, l'objet
station retour. Ah ben ça doit être Eric. Ah ben ça va. Ouais, alors j'étais en directive mais je l'entends pas. Il est de quel côté alors, Belphégor? Oui, il a dit que sa directive était à 3 mètres du sol, donc il était en vertical. Alors mets-toi en vertical, Eric. Ah ben j'étais en vertical tout à l'heure. Non, mais j'ai voulu écouter voir avec la directive, donc ouais, mais je l'entendais pas avec la directive, voilà, ok. Non, non, mais là, je suis revenu avec la verticale, voilà. Je vais retourner sur l'Ukilis, des fois, peut-être qu'il entendrait. À toi, l'Ukilis. Moi j'étais en train de mettre les news là par la même occasion. Ludovic, est-ce que tu es des nôtres ce soir? Je sais pas sûr. Hop là, j'ai entendu quelqu'un. Ok Luculuc, là voilà, j'arrive à te sortir. Mais bon, t'es un petit peu bas, c'est pas grave, j'ai clarifié, il n'y a pas de souci. Là, ce coup-ci, j'arrive à t'entendre. Ok, les mentions 1351 à toi, Luculuc. Hop là, ça y est, c'est reparti. Voilà, il y a juste eu un passage là où la propague est un petit peu montée, et c'est à nouveau reparti. Michel, t'as dû l'entendre, j'imagine. Ah, je suis trois coups. Et tu m'as bien eu tout à l'heure. Cet après-midi, aujourd'hui, j'étais au pro. Donc, j'ai raté tout ce qui s'est passé là sur les ondes. Ben, j'ai entendu quelqu'un se manifester derrière là. Ben, c'est moi. Ouais, c'est le pauvre. Eh bien, allez, c'est le pauvre. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Non, non, à vous de parler. C'est le pauvre. Santiago 5 de mon côté. Voilà, la station qui a dit c'est moi, c'est qui alors? Bon, c'est pas grave, on continue le QSO. Ouais, donc hier soir, Eric, c'est toi qui n'étais pas là, c'est Ludovic qui était là. Ce soir, c'est l'inverse. Vous êtes combiné un petit truc entre les deux, là, entre vous deux, je veux dire. Ah, je suis trois coups. Ouais, ça va pas bien. Ah, mais non, on dit, voilà, voilà, c'est. Non, non, hier soir, non, moi, j'étais pas disponible hier soir, non, non, mais je savais pas que Ludo n'était pas là ce soir, je sais pas du tout.
Pendant que j'y pense, puisqu'il n'est pas là, hier soir il nous a dit qu'il qu'il serait pas là dimanche, hein, apparemment. Hein. Il a autre chose de prévu. Ok, ok. Mais moi, de toute façon, j'y serai demain matin, il n'y a pas de souci. Et puis, on verra hein, s'il y a un petit peu de monde. Jusque-là, on a toujours eu un petit peu de monde. Voilà. Bon, s'il y a du monde derrière qui veut se manifester pour participer au QSO national, profitez-en. Je laisse un petit blanc en avant les stations. Comme c'est souvent que tu es là le dimanche matin, Rémi, il fait suivant certaines choses. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup, moi j'ai entendu, et même j'ai été contacté par pas mal de personnes qui ah non, hop, stop, stop, stop. Si vous voulez les écouter, vous êtes derrière, vous allez écouter. Mais par contre, on ira mouiller les mains pour le reste. Mais par contre, tu vois, davantage de demande peut-être le dimanche le matin. Ça, j'avais ton nom. C'est une expérience, c'est que vous avez tenté qu'il n'y a pas, apparemment, serait valable. Ouais, ouais, ok. Mais oui, le dimanche dernier, il y avait du monde, mais. Il y avait Hervé qui était sur du côté de ton côté, là-bas Michel, un petit peu plus loin. On a eu, qui c'est qu'on a eu aussi il y a eu Nicolas, une nouvelle station qui est du côté de chez moi, là, du côté de Gestas. Qui c'est qu'il y avait il y avait Xavier qui était présent, bon, Ludo, et puis voilà, quoi. Donc à partir du 10h demain matin, le 10h, bon, ça a duré peut-être une heure, mais c'était pas mal, le 10 à 11, mais c'était sympathique, voilà. Allez, on retourne le micro sur Wikileaks. Ouais, attends, il y a quelqu'un qui a essayé de se signaler en même temps que tu as commencé, Eric. Alors la personne qui s'est signalée, retour à vous. Bon, ben, j'ai mes oreilles, je ne sais pas si tu viens travailler. Allez, Guilic, tu peux voir? Allez, vas-y, retourne micro à toi. Hein. Juste pour info, le dimanche matin, on fait un petit QSO national aussi, de 10h à midi, à partir du 10h. Quoi. Donc, des fois, ça s'arrête à 11h, mais bon. Et à partir du 10h, donc, même fréquence, si tu veux venir demain matin participer, il y a toujours un petit peu de monde. Bon, je crois que là on va tous faire bloc. On a un perturbateur dans le QSO. Là, non, c'est ça marche plus ça. Hein. De toute façon, on est tous d'accord là-dessus. Stop au perturbateur. Ah, désolé, c'est vrai que je n'entendais pas. Hein. Ouais, j'ai relâché, vous avez entendu parler, et puis parler avec... Frank. Oui, belle figure. Non, juste pour dire comment, je suis sûr que j'entends... Je l'écoute un petit peu. Ben voilà, c'est messieurs qui veulent faire les kiki. Le problème qu'il y a, c'est kiki. Je répète, ils s'isolent tout seuls. Oui, retour Michel. Oui, mais en fait, moi je confirme qu'en plus il va se perturbateur. Mais si vous aussi, c'est que je l'appelle le perturbateur, il n'est pas prêt à s'arrêter. De toute façon, il passe comme un petit bouchon.
silence pour que je t'entende, hein, parce que j'entends que tu parles, mais je ne décide pas, hein, voilà. Donc, j'espère que tu vas bien, voilà, et puis il me fera le PSP, donc, retourne vite. Ok, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu nos amis là de via internet, Michel. Ah Michel, nos amis là du côté internet, ça fait un petit moment qu'on les a pas entendus. Donc ça écoute, ce soir, nous allons saluer, nous dirons, faut y aller, faut les mains pour faire plaisir à tout le monde. Je te expliquerai, comment dire, les autres quatre ans, alors ce soir, ils sont d'accord, ils prennent les coups, ils nous ont saluer. Ok, il n'y a pas de problème, retour Eric. Ok, ok, je vais laisser un petit blanc. Est-ce qu'il y a des stations qui veulent participer pour un hockey sur national et qui veulent rentrer? Voilà, c'est le moment en avant. Ce soir, je suis un petit peu à court de à court d'arguments, à court de bas coup. Retour Michel, ou alors bon, les stations en fréquence pour le QSO du canal 27 en avant, je sais pas. Ensuite, Dolly 33, t'es toujours pas des nôtres? Ok, non. Retour Luc pour voir s'il repasse à nouveau.